نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Om inshallah we'll join you again and mock Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une description du Quran, et ça quelque chose nous peut être tous les jours là. Right? Le mot c'est fitna. Fitna. Nous vous donne ce traduction linguistique, nous vous donne par rapport à un ayat qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous révélé, ça quelque chose. Mais juste pour nous comprendre, comme introduction, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause fitna, c'est pas juste, comme on nous dit, souvent nous traduisons par une calamité, une fitna en tombe l'eau, une calamité en tombe l'eau. Mais seulement, quand nous pouvons lire, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle ce ayat-là, fitna veut dire un test. Et ce test-là, un test très dur. Inch'Allah nous donne une description. Mais avant qu'il nous commence, nous guette Allah subhanahu wa ta'ala, fait nous connaître une surah, peut-être tous les jours nous lire, surah 90, surah Balad. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, un premier ayat, il fait un serment. Quand nous lisons le Coran, quand nous trouvons une surah, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire un serment, pas une petite chose qui est très importante, mais dans sa surah-là, Allah subhanahu wa ta'ala vous mentionne un élément, une petite chose centrale là-dedans. Donc dans sourate Balad, Allah subhanahu wa ta'ala dit bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bihadha al-balad wa anta hillun bihadha al-balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al-insana fi kabad. Donc il faut nous dire cette ayat que Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, que Allah subhanahu wa ta'ala fait créer certainement nous fait créer une insane dans meilleure forme, dans meilleure façon, dans meilleure balance. Là, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une autre vérité. Quand Allah subhanahu wa ta'ala crée sa insane là, laqad khalaqna l'insana fi kabad, qui insane, Allah subhanahu wa ta'ala crée pour une la vie qu'on a besoin et dans la lutte. Quand une la vie, il a besoin d'un effort, il a besoin de peine, sa la vie, sa insane là, il n'est pas pour une la vie de tout repos, on va nous dire. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous laqad khalaqna l'insana fi kabad, qui est cet insan là sur la vie ou très difficile de la terre. Nous guettons ça ben serment qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avant qu'il vienne dans sa ayat là, dans sa surah là, sa ayat là c'est central là-dedans. Laqad khalaqna l'insana fi kabad, pareil comme la surah Tim se trouve laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim. La uqsimu bihadha al-balad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait serment passe à la ville. Et la ville là, il réfère à la ville de Mecca. Right? Haram. On va nous dire quelque chose de plus sacré, un sanctuaire, quand il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Là, au possible, il y a un balad, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment, passe à la ville là,
وأنت حل بهذا البلد كي توال بكوزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوزا ذكلي بجاليكي وأنت حل بهذا البلد كي توال كبوبين حل دون صلاة بيلا بس بيك حل كي بجيالا وأنت حل بهذا البلد حل بجيال كي malgré restriction malgré et même quand j'étais quelque chose qui ou pas rien droit faire dans sa villa ou arrive un moment Allah subhanahu wa ta'ala peut finir faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam connaît qui peut arriver un moment que de bonne quelque chose bonne restriction là man là pour t'y aller je peux faire bonne quelque chose contre toi comment nous connaît pour arriver un moment dans Syrah comment nous trouver je tout pour comploter pour je atteindre à la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je tout pour faire un complot que tu y dis donc وانت حل بهذا البلد كي توا تبوبين حل تبوبين حلال دون سالا فيلا بان لا بو كومبلوتي بان لا بو فير ان كيت شوز كونت توا سا سي بريمي انتربريتاسيون ديزيام انتربريتاسيون وانت حل بهذا البلد كي بو اريف ان مومون سي تو لي سا مومون لا سي مومون دون لو فيتور الله سبحانه وتعالى بي فيني دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليمون دون لو فيتور كي بو اريف وانت حل بهذا البلد كي توا تبوبين حل تبوبين كيت شوز كي بو بيرميت بو توا بو ان سيرتين تان Vous connaissez que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour conquérir Makkah, il pouvait venir, mais seulement, pas qu'il n'y a aucun disant qui finit bien ici, pas qu'il n'y a aucun la guerre, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il permet lui pour un certain temps qui, si il y a la guerre, donc, wa anta hillum biha dalat, qu'il y a quelque chose qui vous permet pour toi, mais quelque chose qui pouvait halal pour toi, wa anta hillum biha dalat. Juste avant ça, ayat qui nous citait au commencement là, Allah subhanahu wa ta'ala nous, wa walidin wa ma walad. Wawalidin, par le père et par sa descendance. Par le père et tout ce qui vient de lui. Là, d'après, man mufassiroun, c'est Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à Ibrahim alayhi salam. Donc, Ibrahim alayhi salam, nous connaît la ville de Makkah et il y a beaucoup de références qui nous fait à Ibrahim alayhi salam. Là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à Ibrahim alayhi salam et sa descendance qui pouvait. Dans sa descendance, il y a un prophète, Ismaïl alayhi salam. Et après, bien après, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, descendance de Ibrahim alayhi sallam. Donc, dans cette descendance, il y a un noble, right? Il y a un du monde noble là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à Ibrahim alayhi sallam et sa descendance. Une autre façon qui nous capable de dire, une autre interprétation qui nous donne cette ayat-là, wa walidi wa ma walad, Ibrahim alayhi sallam. Nous connaissons Tawhid, Hanif. Ibrahim alayhi salam, malgré tout ce qu'il est fin prêché, pour arriver à un moment qui de sa descendance, pour une qui commet chir. Vous connaissez qui? Après Ibrahim alayhi salam, après Ismaïl alayhi salam, bien après, donc ça va qu'il vient après là, de ne commettre chir, péché qui plie grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sanctuaire là, dans sa place, qui, comment nous dire, puis sacré l'eau la terre. Donc, wa anta hillum bihad al-balad, wa walidin wa ma walad. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à Ibrahim alayhi salam et ses descendants. Peut faire serment par Ibrahim alayhi salam et ses descendants. Ça dit ayat là, nous trouvons des très reliés pour une petite chose. Quand nous causons Ibrahim alayhi salam, quand nous causons insan, une vie de la terre pour la vie, quand il a besoin de lutter, quand il a beaucoup d'efforts, quand il a beaucoup la peine, beaucoup de douleur qu'il a besoin de donner là-dedans, wa walidi wa ma walad, Ibrahim alayhi salam. Qui dit monde qui est capable de dire que Ibrahim alayhi salam sur la vie c'est une vie facile. Une vie que tout quelque chose Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'un des plus grands prophètes, mon étudiant, ulul azmi min ar-rusul, man plus honorable des prophètes, un parmi Ibrahim alayhi salam, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala une donitesse, l'hôtesse, l'hôtesse. Jeune âge, dans ce vieil âge, dans tout quelque chose Allah subhanahu wa ta'ala une testélie, mais en une seule constance. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala testait Ibrahim alayhi salam. À chaque fois qu'il s'attestait une minute très dure, très difficile, s'attestait Ibrahim alayhi salam, il passait avec flying colors, comme on dit. Tout est ce qu'il m'a dit, aslamtu li rabbil alamin, il soumettait à rabbil alamin, il acceptait décision Allah subhanahu wa ta'ala, il met en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous prend l'exemple. Faire référence à Ibrahim alayhi salam, quand nous pouvons comprendre que nous la vie ou la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie nous pour une la vie, quand nous avons besoin de lutter, quand nous avons besoin de nos efforts, quand nous avons besoin de faire quelque chose, parce qu'il s'assise, il y a même beaucoup de choses qui ont besoin de faire dans ce la vie. Laqad khalaqna al-insana fi kabad.
Donc ça, c'est l'introduction pour nous dire ça, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, un crédit pour y amener la vie de lutte sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce qu'il y a des gens, insan, une fake mention insan, est-ce qu'il y a des insan, أن يتركوا, il peut assumer, il peut croire que quand il dit la ilaha illallah, quand il dit il amène iman dans Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il fin amène iman, أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, et qu'il ne pas protester. Est-ce qu'insan il croit que quand il dit la ilaha illallah, quand il dit il a iman dans Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit sa parole là avec sur la bouche, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire maintenant tout qui te seul pour passe facile pour toi. Wahum la yuftanun, et qui ne pas protester. Là, nous trouvons le mot fitna il paraît là. Yuftanun, le mot fitna il paraît. Qui veut dire sa fitna là? Qui veut dire sa qui te seul là? Dans la langue arabe, quand nous cause fitna, nous prenons les comme un test très très dur. Et souvent, nous faisons référence à test là, un test qui, sa métal qui appelle l'or. Right? Gold. Gold qui teste, qui va nous faire avec lui. Comment nous connaît sa l'eau là, elle est pure. Sa l'eau là, il n'y a aucune impureté là-dedans. C'est qui prend sa l'eau là, fonni. Parce qu'il donne fournaise, fonni, tout impureté qui est là-dedans brûlé. À la fin, qu'il reste. Ou reste avec sa pure gold. Ou reste avec sa l'eau qui est pure là. Ça, dans la langue arabe, on appelle les fitna. On appelle les un test très dur, un test que nous passe dans une fournaise, à la fin, quand vous sortez comme pur, vous sortez comme un djimoun qui n'a aucune impureté là-dedans. Donc, est-ce qu'il djimoun une fois, quand il dit Allah, ilaha illallah, quand il dit il amène iman, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour faire, il passe dans un test qui est très dur, à la fin, pour qu'on ait, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, qui certainement nous fait tester, ban qui fait une vie avant eux. C'est pas une petite chose qui nous peut gagner à ce là. C'est pas une petite chose qui va nous mouvmine aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire test, peut éprouver. C'est une petite chose de nouveau. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Même qui me vient avant, je, si je ne passe pas un test qui est très dur, un test qui brille, qui me fait, donne 10 ans là-dedans, falayya'lamanna alladhina sadaqu. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait apparaître l'évidence, fait apparaître au clair, فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. Afin que Allah subhanahu wa ta'ala fasse paraître évident, ban qui peut cause la vérité, ban qui l'a la vérité, ولا يعلم أن الكاذبين, et ban qui l'a fausté, ban qui zis in dia la ilaha illallah avec juste la bouche, mais seulement au fond de eux-mêmes, comment nous dire, ça l'eau là, c'est pas halo pur là ça. Il y a un tas alias, il y a un tas métal, il y a un tas impureté qui est là-dedans. C'est juste la bouche qui s'adjume à l'India. La ilaha illallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc la première partie nous cause l'eau en la vie de difficulté, en la vie que l'insan Allah subhanahu wa ta'ala pour tester, en la vie que Allah subhanahu wa ta'ala pour faire passe par une épreuve qui est très très dure. C'est Allah subhanahu wa ta'ala ce principe. Allah subhanahu wa ta'ala, quand ça dit mon ange, la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala pour soumettre-lui à un test très dur, afin que l'évidence monte, afin qu'il y paraisse clair, qui s'en a peut cause la vérité, ou soit qui s'en a qui est un mensonge, qui peut dire. La ilaha illallah, c'est existe dans la bouche, dans lesquels pénanoni. Maintenant, un djimoun bien comprend, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire fitna, peut dire pour tester-lui, pour éprouver-lui, pas tout qu'il chose. Un autre mot qui est Allah subhanahu wa ta'ala servi dans le Coran, ibtila. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ.
Allah subhanahu wa ta'ala nous pour éprouver par la faim, par la peur, par diminution de richesse, par diminution de enfants, une façon que Allah subhanahu wa ta'ala teste nous dans la vie. Et il y a trois qualités fitna. Trois qualités fitna que nous devons comprendre. Et il y a une fitna qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous retrouve dans le Coran, nous retrouve beaucoup ben situation, ben événement que Allah subhanahu wa ta'ala fait un test paraître l'eau, un corps ou une communauté pour guetter ça ben là qu'ils ont fait. Comment ils réagissent, qu'ils ont l'attitude par rapport à test que Allah subhanahu wa ta'ala fait avec eux. Donc nous retrouve comme un exemple, nous retrouve dans ayat 249 sur la Baqara. Nous connaissons cet épisode là. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر donc là c'est une petite chose que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire quand l'armée ben croyant ben l'armée ben qui amène iman je devine avec l'armée Goliath fait référence aujourd'hui situation actuelle nous n'a un Goliath un tyran nous n'a une petite chose nous n'a ben qui dit la ilaha illallah sincèrement ben qui fait la guerre dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر قال سبحانه وتعالى بتستزد par la rivière ça veut dire ban qui boit depuis dans la rivière là je ne fais le test là Allah subhanahu wa ta'ala بتستزد c'est un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala une fitna qui Allah subhanahu wa ta'ala envoie de sa قوم là pour que tenku comment je dirai et nous connaissons l'épisode là quand nous lisons cette ayat là nous trouvons qui un petit guide là-dedans qui vrai même ça la ilaha illallah vrai même ça imana tu fais les autres guerres majorité dans les autres qui je ne fais je ne bois ou ça je ne abandonne je ne fais rien et je ne fais ça test là ça fitna que je ne mettais vers les autres là que Allah subhanahu wa ta'ala il envoie les autres là beaucoup là-dedans majorité pour les autres là-dedans il ne fait ça test là donc ça c'est une façon que Allah subhanahu wa ta'ala il envoie une fitna il envoie un test l'eau du monde. Deuxième catégorie, nous retrouvons un dua que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans surah Mumtahina. La surah Mumtahina, surah 60, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, « Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim » Que Allah subhanahu wa ta'ala, un dua que je demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, « Oh Allah subhanahu wa ta'ala, pas laisse-nous sujet, pas laisse-nous dominer par fitna de ben kuffar. Pas laisse-nous dominer par sa tête, sa fitna qui ben kuffar peut mettre le ben mu'min et pardonne-nous. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, oh nous Rabb, certainement te parmi ben kina aziz et toi, toi hakim, tu sage. Donc un dua qui peut montrer nous qui, premier qui te sauve, comme on dit Allah subhanahu wa ta'ala, envoie fitna. Lui envoie fitna. Deuxième qui te sauve, c'est qui? En djimoun. Kapag pomi ban kina iman e ban kipe na iman, ban kipe na iman, te met en fitna lo ban kina iman, se pe met en test lo ban kina iman. Pas nécessairement, nous a qualifié li, c'est qui? Pas nécessairement, en jimoun kipe na iman, il fait test lo en jimoun kina iman. Kapag ina en jimoun, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, innama amwalukum wa awladukum fitna. Innama amwalukum wa awladukum fitna, certainement, votre richesse, amwalukum, wa awladukum, votre enfant, c'est fitna, c'est test depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et un test, ça nous retrouve, c'est qui? Test en djimoun et djimoun. Nous enfants, mais test l'eau. Nous enfants, peut tester nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il met un test l'eau. Ça n'a là, ça test là, Allah subhanahu wa ta'ala, depuis tes enfants, tu peux gagner sa test là. Depuis tes richesses, tu peux gagner sa test là. Depuis ben koufar, tu mets sa test là, l'eau. Donc, deuxième question, c'est qui? Un djimoun. Il met un test, il éprouve un lot du monde, un koufar, il éprouve un kena iman, ou soit un iman aussi capable d'éprouver un kena iman. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Après qu'il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, testez-nous du monde et testez du monde. Troisième catégorie, troisième fitna qu'un du monde a qui gagne, c'est un fitna qui lui-même lui mettait l'eau. Je vous donne un exemple. Premier qu'on nous dit, quand un koufar, quand un qui parle d'un iman, il peut éprouver un autre. Il peut mettre dans une difficulté extrême l'eau en l'autre. Il peut mettre extrême l'eau en du monde qui n'a iman. Évidemment, clairement, obviously,
Ça dit moun qui peut faire dominer. Ça dit moun qui peut oppresser. Ça dit moun qui li peut martyriser sa lutte là-là. Obviously, clairement, il fin fait sa test là. Sa test que Allah subhanahu wa ta'ala envoie vers lui, il fin fait sa test là. Maintenant, seulement nous guette l'attitude, nous guette réaction de celui qui peut subir sa test là. Celui qui peut être opprimé, qui peut être oppressé, là, il est capable et n'a des quitteuses. Soit, il peut pas sa test là, ou soit aussi, malgré qu'il peut être opprimé, malgré qu'il peut être oppressé, il est capable de faire sa test là. Donc, nous trouvons qu'il nous peut trouver un côté, ça n'a pas fini de faire ça, l'autre côté peut-être ça du monde là. Soit il passe test là, soit il fait sa test là. Comment il est capable d'arriver ça? Celui qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala, peut faire lui subir un test d'un autre. Quand sa test là vient lui aller. Quand il peut subir sa quitte là, il a accepté sa décision depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Il a accepté que c'est un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala, il garde patience et que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, wa bashiris sabirin. Donne la bonne nouvelle à ban qui fait preuve de patience. Donne la bonne nouvelle à ban qui tient ferme le din, ban qui n'a pas chance dans eux. Et une petite chose qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il encourage nous dans le Coran, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Encourage un à l'autre la vérité et encourage un à l'autre la patience. Donc, nous trouvons que celui qui peut subir un test, celui qui peut être opprimé, martyrisé, il accepte que c'est un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire subir et ça test peut venir depuis un autre, un insan pareil comme Ali, il accepte la décision et il garde patience. Li tini ferme le seul humain. Li fin passe sa test là. Li fin réussit dans sa test qui Allah subhanahu wa ta'ala, il met le lit pas à travers l'autre du monde, li fin satisfait à bonne condition, li fin passe sa test là. Mais seulement, mais si arrivé que quand il peut subir sa test là, qui a été extrême, qui a été difficile l'été, c'est qui dans son esprit maintenant, qui dit, il accuse Allah subhanahu wa ta'ala. Li met blâme le Allah subhanahu wa ta'ala. Il questionne Allah subhanahu wa ta'ala cette décision. Là, il peut tomber dans une quitteuse, il peut faire sa test là, et il peut mettre lui-même dans fitna. Aïe, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, fatantum anfusakum. Qui se fin mettre test le zot même. Qui, quand un test il vient vers le zot, quand je tiens là pour faire preuve de patience, sobre, le zot de la vie, je fin, vin l'eau sa deuxième quitteuse qui très, très très délicat, quelque chose qui est très important, c'est que je ne passe sa limite, que maintenant je peux passer le blâme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous connaissons qui ça n'a, qui être, qui quand tu gagnes une décision pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, quand les filles désobéir, quand les filles continuent, qu'est-ce qu'ils font faire? De cette transgression, de cette désobéissance, qu'est-ce qu'ils font faire? Les filles blâment à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le virus de Shaytan. C'est qui, quand ça teste là, ben vient vers où? On nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, épreuve le tout pour un test. Chacun se teste pas pareil. Peut-être un test financier, un test de famille, un test de la santé. Tout qui a été test, Allah subhanahu wa ta'ala, peut être de nous. Mais seulement quand Sanji Mounla, il peut subir sa test, il peut être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, il finit pas sa limite là, qui maintenant, il pose question, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, peut vraiment subir ça. Qui fait une quelque difficulté comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire moi subir, qui n'arrivait, il finit faire le test et il finit mettre lui-même dans fitna, il finit mettre lui-même dans une quitteuse, quand maintenant, il peut dépasser limite, il peut enlever la quitteuse qui n'est pas bizarre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, test vient de pili, test peut-être insan ou insan, ou ça va une quitteuse, à moi, le koum, peut-être cette richesse fait test avec d'autres. Et troisième quitteuse, c'est qui, ça du monde là, lui-même, il peut tester lui-même. Lui-même peut mettre lui dans une situation difficile, lui-même peut décider l'eau sa bonne quitteuse qui n'est pas bizarre là, et il peut mettre dans son esprit, bonne quitteuse l'eau Allah subhanahu wa ta'ala, bonne accusation l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous trouvons dans une ayat que Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa amma l'insanu idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayakulu rabbi ahanan. Qui ça insan là quand Allah subhanahu wa ta'ala restrict sa provision? Quand Allah subhanahu wa ta'ala tini sa provision, sa nourriture, qui lui dit, que Allah subhanahu wa ta'ala, il humilie moi. Nous sommes là, comment nous mettons Allah subhanahu wa ta'ala? Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut diminuer, c'est un test pour lui. C'est une question que Allah subhanahu wa ta'ala peut envie de sa réaction, sa l'attitude par rapport à ça, qui lui dit, que Allah subhanahu wa ta'ala, il humilie moi. Donc, il prend sa blâme là, il met l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est le message qui nous est là.
Allah subhanahu wa ta'ala pour de nous pour être tes. Plus aller tes là pour une plus difficile. Plus aller tes là pour une critique, plus aller tes là pour une bien bien difficile et nous connaît qui plus grand fitna. Nous connaît qui plus grand test qui peut atteindre man mu'min, man croyant, c'est le test de Dajjal. Il peut tester où de tout quelque chose. Ici et tout pour lui pour faire où perdu ou iman, lui pour faire où tombe dans couf. Ça c'est plus grand test que Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer dans man moment, man quelque chose, man période qui peut venir bien dans le futur, dans quelque chose, peut-être pour garder le futur là par étoile, non, c'est man quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala pour faire sa man que ça vienne, l'eau man mu'min. Donc, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, surtout, man doua spécial, comme on le dit, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru wa gfirlana, oh Allah subhanahu wa ta'ala, pas faire nous sujet, pas faire nous être dominé par sa man épreuve, sa man test qui sa man koufara. Permettez-nous, comme on nous dit, doua, nous devons faire pour nous man frère entier le monde, spécialement dans la Palestine, qui nous mettront sa Tesla extraordinaire. Qui a été Allah subhanahu wa ta'ala épouse dans tout quelque chose? Dans tout qui a été quelque chose, peine à aucune sécurité, peine à manger, peine à famille, peine à payer, peine à non. Qui a été Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a, comme on nous dit, panoplie de man test. Il nous a un portfolio net entier de mantes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, doua sincèrement, qui Allah subhanahu wa ta'ala, pas faire autre sujet à sa test de man koufar. Qui Allah subhanahu wa ta'ala, fait tout ça man croyant, monsieur, madame, enfants, qui Allah subhanahu wa ta'ala, fait autre pas sa mantes là, par God sabre. Par être dans sa condition de sabre, qui Allah subhanahu wa ta'ala, et éprouve autre, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, montrez-nous comment nous passons le test. Allah subhanahu wa ta'ala, montrez-nous comment nous devons réagir par toute qualité cruauté, toute qualité massacre qui va arriver dans ce peuple-là. Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être nous, tiens l'exemple, qui a été testé dans eux et qui a été cette réaction. Comment je peux garder le sabr, comment je peux accepter la décision Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun ne pas trouver personne qui peut accuse Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la personne qui peut mettre le blâme à Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons sincèrement pour nos frères et sœurs dans la Palestine qui peut subir l'attaque bombe, cruauté, génocide depuis sa man kuffar là, depuis sa man dominer, man dolum de man yahoud. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allahu malakatahu sallu ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة